Libreville, la capitale gabonaise située en bord de mer, accueille pour la cinquième année le Marathon du Gabon. Le front de mer, qui fait la fierté des habitants, s'apprête à recevoir un nombre record de participants. Les cinq courses du week-end affichent complet au niveau des engagés. Ils sont 16 200 au total à avoir leur dossard pour fouler le bitume tout le week-end. C'est parti pour le marathon! C'est parti pour le marathon! 1, 2, 1. Sur un front de mer coupé à la circulation pour l'occasion, les courageux coureurs terminent les échauffements matinaux. Et ce sera nécessaire, car soleil et chaleur sont au rendez-vous, tout comme les meilleurs Gabonais et les champions élites kényans et éthiopiens. Le plus aimé à Libreville, c'est lui, Peter Kurui. Il est aussi le plus redouté, détenteur du record ici, premier vainqueur en 2013 et deux fois deuxième. Kurui, c'est la star. Dans le sas de départ, les derniers conseils sont échangés. Mais il est temps de laisser place à la course, et comme toujours, c'est le président en personne qui lance le marathon. Ils sont plus de 7 800 à s'élancer ce dimanche. Et pas moins de 62 nationalités sont représentées. Au programme pour tous ces coureurs, trois courses, le 10 km, le semi-marathon et le marathon. Très vite, le champion Kurui prend les commandes pour imposer son allure. Une allure bien suivie par le reste des élites et aussi par Jesse Kodo, le Gabonais tenant du titre sur 10 km. Dans la montée du boulevard Triomphal, ce groupe de tête a déjà pris une avance confortable. Au point culminant du boulevard au rond-point de la démocratie, les parcours se séparent. Et Jesse Kodo est définitivement, confortablement installé en tête du 10 km. Emporté dans l'élan impulsé par Kurui, à presque 18 km/h de moyenne, le voici seul en tête après un quart d'heure de course. Deux autres coureurs ont réussi à se détacher du peloton. Frank Vanna et Marius Opana Lendegue. Lendegue, ici au maillot bleu, est le collègue d'entraînement de Jesse. Et lui aussi avance à bonne vitesse, mais il ne parviendra pas à rejoindre Kodo, intouchable. Meilleur Gabonais sur la distance à Port-Gentil en juin dernier et tenant du titre à Libreville, cet athlète gabonais ne s'est pourtant pas aligné pour la gagne aujourd'hui. Il souffre du mollet depuis des mois et comptait servir de lièvre pour ses copains. Mais il s'impose en 33 minutes 40. Loin de son record personnel, mais quand même sur la plus haute marche du podium pour la deuxième fois consécutive. Le marathon du Gabon est exigeant, de par son climat tropical, sa chaleur, son taux d'humidité, mais aussi à cause de la montée du boulevard Triomphal. Ça grimpe sur presque 3 km. Cette première difficulté, rare sur un marathon, est fatale au Kenyan Kipkemei Mutai. Il abandonne à l'entrée des trois quartiers, alors que les autres coureurs du marathon et du semi y poursuivent leur route. Allez-y les femmes ! Le groupe de femmes élites, les Kenyans, l'Éthiopienne et la Tanzanienne, sont toutes encore dans le coup et groupées. Joanne Kigan, qui court ici pour la troisième fois, emmène le groupe. Émilie Cheptemoi, en maillot orange, est toujours bien dans le rythme alors que Alice Timbilini semble déjà dans le dur, elle qui possède pourtant le meilleur record personnel. Ces femmes sont parties à une allure de 15,3 km/h. C'est 1 km/h de moins que ce qu'il faut pour battre le record féminin ici, mais ce n'est que le premier tiers de la course. «
Les hommes, eux, sont partis vraiment vite et avancent sur les temps du record alors qu'il fait déjà bien chaud. Pour rappel, il pleuvait lors du temps de référence à Libreville. Le groupe de tête est composé de 7 coureurs. Ils optent pour la tactique habituelle, courir en groupe et se relayer en tête, au moins jusqu'à la mi-course. Ce n'est pas maintenant qu'il faut attaquer, il est encore trop tôt. Ils atteignent tout juste les 10 km sur le front de mer. Cette partie, Peter Curry la connaît par cœur, grâce à ses 3 participations précédentes au marathon, mais aussi car c'est là qu'il a emmené ses camarades pour leur footing matinal hier. Après le voyage en avion et pour se familiariser avec le terrain gabonais, c'est la tradition, le petit footing de décrassage. Naturellement, le Kenyan Kurui s'impose en chef de file. Il connaît bien le secteur et c'est aussi une manière de prendre les rênes, comme il ambitionne de le faire sur la course. The main call this year is to win the race, not to beat time. It's to try to win after winning, go and make some correction of what happened the last 2-3 years ago. And also, the tactic to use of this is not to fear. If anybody run 2-5, 2-6, 2-10, lap time, no. It is here, it's only to use the way I know the course. I know the weather condition. I know where I can put more energy, I know where I can reduce it, I know where to balance. Because so many of the guys are very new guys. And it wasn't a line. Les autres élites hommes foulent le sol gabonais pour la première fois. Mais ils seront des adversaires coriaces. Le Kenyan Jafred Shirshir, ici à droite, a déjà gagné plusieurs marathons et détient le meilleur chrono personnel du plateau, 2h, 5 minutes et 48 secondes. Dominique Kangor semble être l'homme en forme du moment avec des succès à Riga l'an passé et à Toulouse cette année. Il a terminé deuxième à Macao en 2014, juste derrière Julius Maisei, qui court à ses côtés ce matin. Maisei sera à surveiller, il a le deuxième meilleur chrono personnel et connaît bien ce genre de climat. I think it's more humidity, but I used to like humidity because when I used to run in Singapore, I used to hear humidity like this. In China, I used to hear humidity like this. And then again, Dakar. It is very hot again like this. I cannot predict, but what I know, I'll run good. But I don't know what position, but I feel there's something good. Chez les filles, elles sont deux à avoir déjà gagné ici. Joanne Keegan en 2014 et Emily Chepkemoy l'an dernier. Cette dernière retrouve ses marques avec plaisir. I like here because the people here are really good. They are nice cheering all the way. The course, though the weather is challenging, but I really like being here to enjoy with the people here. Peter Curui les aime aussi, les Gabonais, et ils le lui rendent bien. Ils sont nombreux à vouloir la photo avec le champion. Depuis qu'il a établi le record lors de la première édition, il est leur chouchou. Bonjour Monsieur Peter, comment vous allez? Je suis ravie de vous voir ce matin. Ça m'a un grand plaisir. I feel very, very, very excited. Very, very excited. I don't know how I can express it because very joyful to see you, to see the kind. It's like when I'm at home. Le Gabon est devenu sa terre de prédilection. C'est ici qu'il a remporté sa dernière victoire en marathon en 2013. The winning began at 23 kilometers where we left the group. Reaching 32 kilometers, that's where I pushed very hard. In 35, I saw the distance that I've left at the second number two was very far. That is where I realized that I can win the race. Ce souvenir est précieux et le porte à chaque nouvelle foulée sur le marathon du Gabon, avec l'ambition, encore et toujours, de pouvoir renouveler cette performance. Après 40 minutes de course, Peter Curui maintient la cadence. Il contrôle au sein du groupe de leaders. Le climat gabonais commence à s'affirmer et la température grimpe.
Il va falloir tenir, mais ceux-là n'ont pas l'air de vouloir ralentir. Et ce rythme est un problème pour le jeune Urgesha. Le coureur éthiopien est lâché, il ne reviendra pas. Marty Tussenzogué, lui, poursuit sa route, à l'aise, en tête du semi-marathon. Le coureur de Port-Gentil, tenant du titre sur la distance, œuvre sur le village animation du marathon depuis 3 jours, mais il semble qu'il lui reste de l'énergie. Au demi-tour près de l'aéroport, Nzogé compte plus d'une minute d'avance sur son poursuivant, Yves Kumba Kumba. Kumba Kumba s'accroche pour ne pas se laisser trop distancer. Meilleur Gabonais sur le marathon en 2013, il a terminé sur le podium du semi ces 2 dernières années et il compte bien remettre ça, si possible, en améliorant son temps. Et son objectif alors c'est quoi? Meilleur Gabonais, il veut être le meilleur Gabonais. Aurier Juf Silva Lendoye est bien parti pour ça. Il a certes été distancé par le groupe de tête, mais il est à cet instant en 7e position du marathon. Seul coureur intercalé entre les élites hommes et femmes. Un autre Gabonais s'accroche au sein des meilleures féminines. Il s'agit de Ange Matamba. Premier local du marathon en 2014, il ne s'était plus aligné sur cette distance depuis, par manque d'entraînement. Aujourd'hui, il est aux avant-postes, mais pour combien de temps encore? Car toutes ces spécialistes ne vont pas tarder à accélérer. C'est d'ailleurs ce que vient de faire le groupe de tête sous l'impulsion de Peter Curley. C'est presque la mi-course et le Kenyan commence à tester la résistance de ses compagnons d'échappée. Jaffrey Tchirchir n'arrive pas à suivre. Il était pourtant potentiellement le plus rapide sur le papier. Le Kenyan subit une baisse de régime et accuse désormais 2 minutes de retard sur les leaders. En tête, ils ne sont plus que 5 maintenant. Il y a les Kenyans Kurui, Kangor, Maisei et Meina, et l'Ougandais Cheptoch qui ne se laisse pas distancer. Du côté du semi-marathon, les kilomètres emmagasinés commencent à se faire sentir. Marc Titus-Nzogué est toujours seul en tête. Il a rejoint la foule de retardataires du 10 km sur le front de mer. L'occasion pour lui de se sentir moins seul et aussi bien soutenu par ses compatriotes. Il s'impose en 1h, 14 minutes et 44 secondes. Il améliore de près de 3 minutes son chrono de l'an dernier. Audrey Ninze, elle, ne fera pas mieux. Elle paye sans doute les efforts fournis hier sur la Gabonaise. Alors que Martine Divassa, qui s'est préservée pour ce 21 km, court plus vite que l'an passé, bien plus vite. Elle améliore de 4 minutes 44 secondes son temps et s'impose comme meilleure femme de cette distance pour la 3e année consécutive. C'est un record, elles sont plus de 5000 à s'être donné rendez-vous au départ de la Gabonaise. Il y a 5 km à parcourir, 5 km associés à une cause, celle de la fondation de Sylvia Bongo Ondimba, la lutte contre les cancers féminins. La première dame n'a pas manqué une seule des 5 éditions, elle est encore là ce matin pour encourager les Gabonaises et donner le départ. Rose, c'est la couleur officielle de la lutte contre le cancer. Rose, comme la couleur que prend le front de mer à l'occasion de cette Gabonaise. Sans timidité et sans crainte d'être jugée, les femmes s'élancent, chacune à son rythme. Il y a celles qui sont là pour le sport et la gagne, et avec elles, ça part vite. Il y a aussi les sportifs moins aguerris qui profitent simplement de l'occasion pour courir. Plus ou moins vite. La Gabonaise est toujours en forme, elle est sportive.
mais toutes pour une bonne raison. C'est marqué dans le dos, course contre le cancer. Donc on se bat tous ensemble. Cette course strictement féminine remporte toujours plus de succès auprès des femmes du pays et d'ailleurs. La mobilisation pour la cause est internationale. 39 nationalités sont représentées. Elles viennent du Maroc, de Chine, du Chili, de Colombie, de France ou encore d'Allemagne, comme Anne. Pourquoi vous courez aujourd'hui ? Parce que pour moi c'est la première fois et je voulais faire partie de toutes les femmes qui courent. C'est super, c'est une super atmosphère. Et c'est la camaraderie et qui peut dire que je fais ça au Gabon. Audrey Ninze, elle, en est à sa quatrième participation. La jeune femme de 27 ans a gagné la course à deux reprises déjà, mais elle a été détrônée l'an dernier. À une allure de 16 km/h, elle met tout le monde d'accord et s'impose en 18 minutes 40 secondes. Elle ne bat pas son record personnel, mais améliore de plus de 3 minutes son chrono de l'an dernier malgré les difficultés. Ce live, vraiment, c'était vraiment pénible pour moi. Et la foule aussi. C'était difficile pour moi de passer pour obtenir cette place-là. C'était vraiment difficile. Et avec les encouragements des Gabonaises et des Gabonais, j'ai pu atteindre mon objectif, terminer la course. 31 degrés et pas une once de vent. Terminer sous cette chaleur, c'est un beau challenge qui est encore plus grand pour les moins aguerris. Toutes les femmes se sont accrochées jusqu'au bout. La motivation pour certaines, comme pour Céleste, a un aspect particulier. Je cours parce que le sport est utile pour la forme et on lutte pour le cancer féminin. Récemment, j'ai perdu ma tante avec le cancer. Et donc, j'ai pris cette initiative de courir pour montrer que l'action de la première dame n'est pas anodine. Quoi. Et je crois que ça éveille de plus en plus la conscience des femmes. Et ça donne à la Gabonaise de savoir qu'elle a un potentiel sportif. Maintenant, laissez-moi achever ma course, s'il vous plaît. Cette année encore, la Gabonaise a donc eu un franc succès. Et c'est une bonne nouvelle pour la Fondation Sylvia Bongo-Kumba, car les dons récoltés par les inscriptions lui sont reversés. Ces fonds vont servir à l'achat d'un camion itinérant qui va faire le tour de toutes les provinces du Gabon. À bord, nous aurons mammographie, coloscope, tout ce qu'il faut, tout le matériel, les médecins, afin que dans chaque province, dans chaque ville, des femmes puissent se faire dépister contre le cancer. Que les coureurs sont actuellement au demi-tour du 42 km et en tête de ce classement, il y a bien sûr le dossard numéro 4, celui qui détient le record sur le marathon du Gabon depuis la première édition. Il s'appelle Peter Kourou. Effectivement, au stade de l'amitié qui signifie la mi-parcours, Peter Kourou est devant. Il vient de porter une première accélération, mais Maïna, Kangor, Maïsei et Cheptoche suivent la cadence. Kurui met à profit sa connaissance du tracé. C'est l'heure des dernières observations. Il va être temps de porter de réelles attaques. Et selon sa stratégie, il y en aura plusieurs. Comme les autres, Julius Maïsei tient bon face à ses assauts. Il s'offre même le luxe de titiller Kurui, comme pour lui signifier qu'il n'est pas le seul patron. Mais pourtant, si, c'est bien lui. Entre le 27e et le 28e kilomètre à l'entrée de la Sablière, le champion 2013 met un coup de fouet. C'est là le kilomètre le plus rapide de toute la course. Il l'avale en 3 minutes et 3 secondes. Kangor reste dans son sillage, pas les autres. Comme l'an dernier, Kurui sait qu'au 30e kilomètre, le plus difficile est passé. Mais il lui reste encore à se défaire du dernier adversaire à lui résister. Dominique Kangor, on l'a dit, est l'homme en forme du moment et il le prouve. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Laissez-le.
Ce n'est qu'au 35e kilomètre que Peter Curuy semble réussir à creuser l'écart. Il faut maintenant gérer, car en 2016, c'est précisément ici que le Kenyan s'était fait rattraper et déborder, laissant échapper la victoire. Pas question de répéter la même erreur. Il s'est beaucoup entraîné pour mieux gérer son effort. Et malgré une chaleur devenue écrasante, Curuy, cette fois, s'est en gardé sous le pied pour bien finir. Et ça paye, car même s'il diminue un peu son allure sur les deux derniers kilomètres, Peter Curuy parvient à conserver 17 secondes d'avance sur Dominique Kangor. Il termine, triomphant et heureux, après 2h21 minutes et 19 secondes d'effort. Pas de record à la clé, mais un deuxième succès qu'il attendait depuis 4 ans. Une belle façon de célébrer la 5e édition. Quand il est arrivé, il dégageait beaucoup de sérénité déjà. Et ce matin, sur son visage, on a vu qu'il n'a pas souffert. On est super contents. Donc première édition, 5e édition, il gagne. Donc un bel anniversaire. Un anniversaire également célébré par une deuxième victoire chez les femmes. La Kenyane Joanne Kigen a déjà gagné en 2014. Et elle est encore la plus rapide cette année. Elle rejoint la ligne d'arrivée en 2h44 minutes et 54 secondes, soit 22 minutes 48 de mieux que lors de sa précédente victoire à Libreville. Cette édition 2017 est vraiment une réussite. C'est une des plus grandes épreuves maintenant d'Afrique. Et ce que nous pouvons maintenant souhaiter, non seulement c'est que cette épreuve continue, mais entre chaque marathon, je souhaiterais que les courses puissent être organisées. Comme on a eu à Pont-Gentil un 10 km, mais que ça puisse être aussi sur l'ensemble du territoire qu'on voit ce genre de courses être organisées. Plus de courses pour plus de vocations de coureurs et peut-être aussi plus de préparation pour les athlètes gabonais. Car le meilleur d'entre eux, Lendoye, a explosé en deuxième partie de parcours. L'effort lui pèse, il est victime de crampes. Là, je ressens là. Là, je ressens, c'est très compliqué là. Je force. Sa tête lui dit d'arrêter. Mais son cœur le pousse à s'accrocher. Allez, 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 c'est ta course, finis là. Il en termine après 3h15 d'efforts quasi solitaires et gagne son billet pour le mythique marathon de Paris en avril prochain. Un bel exemple à suivre pour les plus jeunes. Surtout qu'ils sont déjà très nombreux à montrer un engouement pour la course à pied. Ils l'ont prouvé lors des courses qui leur étaient réservées.